Quelque part, caché parmi des ronces pleines d'épines, se trouve un petit royaume peuplé d'elfes et de fées. Tous ceux qui y habitent sont très, très petits. Je suis Ben Elfe. Et moi, je suis la princesse Holly. Allez, on y va, on va jouer. Attends-nous. Le petit royaume de Ben et Holly. L'aventure d'aujourd'hui commence au lac. La cité perdue. Aujourd'hui, moi, Barbe Rouge, le pirate elfe, je prends le large dans mon ballon dirigeable elfique. Où allez-vous, Barbe Rouge? Je vais vers la cité perdue. Qu'est-ce que c'est? Une ancienne terre d'une grande beauté. Des pyramides, des chutes d'eau, des fontaines, d'immenses statues d'anciens dieux. Et un trésor. Oh! Et ça se trouve où? C'est dans la jungle. Loin, loin de chez nous. C'est un long et un dangereux voyage. D'accord, allez-y vite alors. Tâchez d'être forte, mon cœur en sucre, car oui, je reviendrai. Ouf, prenez votre temps. Il ne faut pas foncer quand on va à la cité perdue. L'arc des amarres! Bonne chance, Barbe Rouge! Merci! Mais un pirate n'a pas besoin de chance. Je ris quand je fais face au danger. Adieu tout le monde! Au revoir! Pauvre Gaston! Regarde, Barbe Rouge lui manque déjà. Ça, c'est la vraie vie. J'adore les aventures. Je crois que j'aperçois la jungle. Ma chère cité perdue, je viens à toi. Que se passe-t-il, Gaston? Il est inquiet pour Barbe Rouge. Ne t'inquiète pas, Gaston. Barbe Rouge nous appellerait s'il lui arrivait des ennuis. Allô? Je l'ai trouvé, Nounou Prune. La cité perdue. Oh, chouette alors. Le problème, c'est que j'ai un peu joué de ma chance. Je fais face à un terrible danger. Je pensais que vous riez face au danger. Normalement, oui, mais je suis piégé. Les cordes de mon ballon dirigeable sont entortillées dans la jungle. Nous allons venir à votre secours, Barbe Rouge. Oui! Ne vous sentez pas obligé. Je peux survivre ici. Je mangerai des feuilles bizarres et boirai des gouttes de rosée. Oh! Je pourrais certainement survivre 1 ou 2 semaines comme ça. À moins, bien sûr, qu'un serpent ne m'attrape avant. Ça n'arrivera pas, Barbe Rouge. Les elfes viennent vous secourir. Et les fées aussi. C'est d'accord, on va faire une mission de sauvetage. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Il faut charger cet avion pour une mission de sauvetage dans la jungle. D'accord. Une tente pour la jungle. Une tente pour la jungle. Un kit de premier secours pour la jungle. Un kit de premier secours pour la jungle. Une tenue pour la jungle. Une tenue pour la jungle. Et j'ai amené le pique-nique pour la jungle. Des sandwichs au fromage et de la citronnade pour tout le monde. Nounou Prune, ceci est une mission de sauvetage, pas un pique-nique. Oui, mais il vous faut quand même des sandwichs. Vous aurez besoin de ça. Qu'est-ce que c'est? Des parachutes. Des parachutes? Cool! Oui, je ne peux pas atterrir avec l'avion dans la jungle. Alors, il vous faudra sauter en parachute. Mais comment va-t-on faire pour trouver Barbe Rouge dans la jungle? Gaston va suivre sa piste. Gaston peut renifler n'importe qui, même à des kilomètres. Oh, c'est vrai que Barbe Rouge sent fort. Oui, un peu comme des chaussettes au fromage. On y va, tout le monde. On décolle. Démarrez les moteurs. À vos ordres. Avion des elfes, prêt au décollage. Et on s'envole. On est bientôt arrivé, ça y est. Oh, mais on vient à peine de décoller. La jungle est de l'autre côté de la terre. Oh. Gaston a flairé Barbe Rouge. Quoi, déjà? On ne peut pas déjà être arrivé à la jungle. Le flair de Gaston est infaillible. Alors c'est le moment de sauter. Est-ce que tout le monde est prêt? On est prêt. Go, go, go. Oui. Bien, allons trouver Barbe Rouge. Gaston, trouve Barbe Rouge. Souviens-toi, il sent la vieille chaussette. Oui, bon garçon. C'est par là. Oh, regardez cette statue. C'est une espèce d'ancien dieu, je suppose. On ne doit pas être très loin de la cité perdue. Regardez cette drôle de plante orange. Ah, oui. Son nom scientifique est Heliconia jacquini. Et celle-là, son nom, c'est Chrysanthemum lecanthemum. Comment tu as pu deviner ça? C'est écrit sur l'étiquette. Oh, c'est bizarre. Cette statue a une étiquette aussi. Et celle-là aussi. Il y a un prix écrit sur cette plante, 4,99. C'est pas mal. Il s'est passé quelque chose de très étrange ici. Oui, une espèce de fou s'est promené dans la jungle en mettant des étiquettes partout. Ah! Et maintenant il pleut. Ce n'est pas de la pluie, c'est un être humain avec un arrosoir dans la main. Mais ce n'est pas du tout la jungle ici. Mais oui, on est dans une jardinerie. Gaston nous a conduits au mauvais endroit. Et le pauvre Barbe Rouge qui est à des milliers de kilomètres dans la vraie jungle. Ah, et nous, on est coincés dans une jardinerie. Allô? Allô? Vous n'êtes plus très loin? Nous sommes un petit peu loin de la jungle. Oh oui! Et vous êtes où? Eh bien, pour l'instant, nous sommes dans une jardinerie, dans un pot de jonquilles, Barbe Rouge. Des jonquilles? Oh oui! Je vous vois. Quoi? Je suis à l'intérieur. Regardez derrière les portes. Coucou! Je croyais que vous aviez dit que vous partiez dans la jungle. Mais c'est une jungle à l'intérieur. Venez voir. Oh, c'est proprement ridicule. Ah, bon, je suppose qu'on doit quand même aller lui porter secours. Faites bien attention. On ne doit surtout pas se faire repérer par les êtres humains. Pourquoi les portes magiques ne s'ouvrent-elles pas? Ce n'est pas une porte magique. Il faut juste rester devant et elle s'ouvre. Mais on est trop petit pour que le mécanisme de la porte s'enclenche. Alors, place à la magie. Voilà ce que j'appelle une porte magique. Ah! Eh bien, on peut dire que je suis heureux de vous voir, mes biquets. Ne m'appelez pas votre biquet. Vous rendez-vous compte de tout le temps que vous nous avez fait perdre? On croyait que vous étiez coincé dans la jungle, pas assis dans un plant de tomates dans une boutique. Mais c'est ici que se trouve la cité perdue. Regardez. La cité perdue, c'est un fatras de décoration de jardin. Mais voyons, Nounou Prune, vous devez utiliser votre imagination. C'est une cité perdue, faite de pyramides, de chutes d'eau et d'un trésor. C'est un fatras de cochonneries en plastique. Bien, mais n'avez-vous pas vécu une aventure en venant à ma recherche? Oh oui, on s'est bien amusé. Et c'est exactement ce qu'être un pirate elfe veut dire, s'amuser. Bon, il vous suffit de me désentortiller et nous pourrons nous échapper de cette dangereuse jungle. Oh, ceci n'est pas une jungle. Il n'y a aucun danger. Accrochez-vous bien. Bonjour, je suis une cliente et je voudrais acheter cette plante. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez aujourd'hui? Oui, merci bien. Est-ce que les jouets sont inclus dans le prix de la plante? Oh, j'imagine que oui. Un plant de tomates avec des jouets. Et un lutin magique. Je ne suis pas magique. Un lutin magique qui parle. Oh, pas de code barre. Je vais le faire passer pour du compost. Oh, merci bien. Lutin magique. Compost? Mais comment ose-t-elle? Nous devons nous enfuir. Venez, tout le monde dans le ballon dirigeable. Mais bien sûr, allons-y, larguez les amarres. Oh! Bonjour, madame la cliente. Bonjour. N'allez pas dire à qui que ce soit que vous avez vu des elfes et des fées. Non. Oh, et très loin. vieil elfe sage, on dirait que c'est moi qui vous ai sauvé de la jungle. De la jungle? De la jardinerie, vous voulez dire? Moi, ma douce petite prune en sucre, je vous ai ramené un cadeau de mes aventures. Une tomate? Est-ce que c'est une tomate? Ou est-ce une mystérieuse baie rouge issue des fins fonds ombrageux et secrets de la cité perdue? Utilisez votre imagination, chérie. C'est une tomate, oui. Mettez le cap sur le Petit Royaume. Rentrez chez nous. Oui.